Dimanche matin. Attendez, je vous pose. Bonjour quand même. Je sais jamais, c'est midi ou midi et demi le dimanche. Ouais, on va y aller. Donc, il est 11h09. On va aller faire quelques petites courses. Vraiment pas le plein, mais j'ai plus de démaquillant, j'ai plus d'eau, voilà, ce genre de choses. Évidemment, il va y avoir 2-3 trucs en plus, comme toujours. Hier soir, nous avons fait, enfin moi j'ai fait, parce que Eric, il est pas dans un process de faire attention, un cheat meal, le fameux repas. Enfin, le fameux, t'es pas obligé de le faire. Un repas dans la semaine, un peu plaisir. Moi, j'ai voulu un McDo et je trouve que je suis restée hyper raisonnable parce que j'ai juste pris un sandwich, des potatoes et des nuggets. Alors qu'en temps normal, j'aurais pris donc les petites sauces qui vont avec, bien sucrées, sauce curry, sauce chinoise, tout ça. Et j'aurais pris également la fameuse glace. Je ne l'ai pas prise. Voilà, donc je pense que je vais me le faire de temps en temps, mais j'ai pas recraqué avec du vrai sucre. Je pense que c'est un petit peu ça la clé. Je crois que ça va me faire du bien d'avoir une semaine un petit peu plus cool, même si j'ai quand même des petites choses de prévues. Rien à voir, je pense, avec le speed de la semaine dernière. On dirait que je me suis habillée pour, je sais pas, aller manger au resto ou quoi. Non, pas du tout. Juste aller faire les courses. On va manger là. Mais peut-être qu'après on va bouger, faut que je m'en aille. Regarde le petit loup des bois, qui a même pas bougé. Parce que avant le distributeur de croquettes, il serait venu, il aurait miaulé comme pas possible. Ouais. Hein, mon Jackie? Il commence à s'y faire, hein. Mais tant mieux. On a été raisonnable. Hein. On n'est pas parti dans des délires. Ouais, j'avais envie. Parce qu'en fait, vu que j'ai arrêté le sucre, blablabla. Petite infusion, rhubarbe à papa, fraise framboise, et en fait, et rhubarbe forcément. Ça t'apporte comme un petit goût sucré qui est pas désagréable. Ensuite, ah bah ça, ce pourquoi j'y allais. J'aime bien le biphase. Il est cool. De l'eau. La Ristorante au thon. Parce qu'il y a plein de petits oignons. Elle est vraiment pas sèche. Elle est excellente. Bon, c'est sûr que ça reste de la pizza. C'est pas ouf, mais ça pour un petit kiff. J'ai repris steak comme ça, 5%. Et des petits pois, mais tout à l'envers, des petits pois. Et avec Eric, on a décidé qu'on bougeait. Donc là, je range tout, il est midi 2, on grignote et je monte faire la miniature, le vlog que... Ben non, pas que vous êtes en train de regarder, mais bon bref, vous l'aurez compris. Et après, on part. Pas hyper longtemps parce qu'à 5h, il doit être là pour son entraînement. J'allais oublier, évidemment, j'ai pris pas mal de pommes, il n'y avait pas de Pink Lady, mais bon. C'est un peu similaire. Johnny Gold, je crois. Mon pack d'eau. Ce midi, je me fais une salade d'endives, des tomates et une escalope très fine avec des petits morceaux de chèvre que je fais cuire dessus au dernier moment. Il est 2h30, il va peut-être falloir qu'on bouge. C'est pas les bonnes. C'est pas les bonnes. Et j'ai vraiment l'impression que j'ai fondu, ça y est. Hein. Je le vois déjà dans mon fût. Ouais. Ouais. Hein, c'est dingue. Hein. Mercredi, je me pèse dans ce vlog, en fait, normalement. T'as une petite idée de là où on va? Ouais. C'est vrai? Ouais. Ah, cool. Je suis très contente. Parce qu'il y en a déjà pas mal qui l'ont reçu, qui ont reçu ma box de mai, et les retours sont top. Des vidéos également ont été faites par des youtubeuses. C'est hyper encourageant. Et je le redis vraiment, toutes les box qui arrivent, notamment, très bonne idée cadeau pour la fête des mères qui a lieu le 4 juin. Pensez aux cartes cadeaux parce que, je vous le dis, elles vont être canon, canon, toutes les prochaines. Bon, bah, notre sortie fut un fail en fait. Il m'a emmené, dans un vide-grenier. Et j'avoue que j'étais pas du tout dans ce délire d'aller, j'avais pas du tout envie d'aller dans un vide-grenier, de voir du monde parce que. Il y a énormément de monde dans ce genre d'événement. Et je le sentais pas. En plus, bon, bah moi, c'est vrai que c'est pas un truc de base. Les vide-greniers, c'est pas mon délire, mais bon, ça m'arrive de temps en temps de se balader, d'y aller. Mais là, clairement, j'étais pas dedans. Du coup, on a fini le tour. Et on est rentré. Voilà, il est 4h. Je vais faire un petit goûter. Et je suis en train de me demander si. Je n'allais pas me mettre à faire ce que je dois faire depuis un moment, à savoir mes vitres, vu que je pense que c'est le temps plutôt idéal pour faire ça. J'ai un but à fond. Je me fais chauffer la petite infusion rhubarbe, parce que là j'avoue, j'ai envie de sucre, donc je vais me faire un petit goûter sympa. Enfin sympa. Tout est relatif sympa pour moi là.
pour le moment. Ah merde. Ah, oh, ça saoule quand ça fait ça. Oh. Voilà. Là, je m'en mets une belle rasade. Hop. Foncez, dis donc. J'ai coupé des petits morceaux de pommes et je vais me faire ça. Crackers avec chavroux. Voilà, il n'y a pas d'heure pour le chavroux. Et ça, c'est pour tout à l'heure, si je suis toujours motivée. Parce que n'oublions pas que nous sommes dimanche. Bon, bah hier, il n'y aura pas eu de lavage de vitres. La flemme m'a envahi et je regrette pas du tout. Où est-ce qu'aujourd'hui je vais faire les vitres? Pas sûr. C'est pas sûr, peut-être. J'ai pas envie de me mettre de pression du tout. Parce que là, j'ai envie de rentrer dans une semaine un petit peu plus soft, même si j'ai pas mal de petites choses de prévues. Mais j'ai pas envie de faire comme la semaine dernière, à m'éparpiller, à faire 15 trucs complètement différents. Passer d'un truc, c'est épuisant. Donc là, tranquille, je crois. Eric avait cours ce matin, de 8h à midi. Il est déjà 12h. Il reprend les cours à 15h. Et je pense, c'est même sûr, qu'il s'est endormi devant la télé. Il faudra que j'aille le réveiller. Je crois qu'en plus, il a une réunion, il m'a dit, il sera pas là avant 18h30. Il a plus l'habitude de faire des grosses journées comme ça. De cours. Je vais lui faire une blague. Je confirme. Il s'en va. Il y a Jack qui est sur le piste. Il est 3h30. Hein? 3h30. T'as cours? Oui. Alors? Il est quelle heure? Bah 3h30. Il est 14h. Je t'ai laissé dormir. C'est tellement drôle. Vers ma maman à 2h. 2h15, 2h30, je sais plus. À but. J'ai besoin de rien précisément, c'est histoire que je vois un petit peu. Parfois, ils ont des arrivages sympas. Alors, est-ce que je me reprends un grille-pain? Je sais pas. C'est pour que ça fasse encore sauter toute la maison. Je vais rejoindre maman dans un quart d'heure à but. Toi, tu reprends à 3h30, c'est ça? Ouais. Tu m'en veux pour tout à l'heure? T'as pas eu peur quand même? Un peu? Si, si, bah oui, si. Je vais avoir de ça. Imagine si t'arrives en retard. Ouais, je sais. Bisous. Je la même en noir, bah, c'est 10 cloques. Ouais, c'est vrai. Non. C'est vrai. Moi j'ai ça par contre. C'est pas possible. Ah non, j'aime bien. Les chaises, elles sont pas mal. Je suis là. Ouais, non, non. Rien trouvé pour l'instant. J'ai de nouveau jeté un petit coup d'œil avec les chaises de bar, mais je suis toujours en hésitation. Je crois que je vais me prendre une petite peau de bête que j'ai vue blanche, parce que j'ai une idée déco qui peut être sympa. En plus, elles sont pas excessivement chères. C'est quoi ça? Ah, mais c'est beau! Ah oui! Il s'appelle comment? Il s'appelle Louise, fauteuil Louise, bois et tissu. Ah, il est beau. 104€, le miroir est vraiment très beau, très chic. Bon, ça va pas partout hein, non plus. Hein. Non, mais ah non! Ah non, ça va pas partout. Ouais. C'est original. Hein. Et ça te fait une perspective. Bah c'est ça. On a pris beaucoup. Le miroir? Ah oui. Mais non, ne me prends pas pour une imbécile. Je sais que les croquettes sont données à manger à 4 heures. C'est bien joli d'arrêter le sucre, mais j'ai la tête qui tourne par moment. Je voulais pas trop le dire avant pour l'inquiéter, mais j'étais dans les rayons parfois, c'est ouh. Faut que je mange. Je vais me manger pomme, forcément, comme d'hab. Et je me suis trouvé quelque chose pour remplacer le plaid qui est moche, qui est tout défraîchi. Un petit plaid, 19€. Il est beau. Hop, il est bordeaux. Il n'est pas ultra, ultra épais, mais en même temps, là, on arrive dans la phase bientôt estivale. Ma maman qui me dit et puis avec tes plumeaux, ça va être beau. Alors, je me dis, mais oui, plumeau ici et plumeau ici. Mais il va pas aller ici pour autant. Moi, c'est un jeté de canapé pour, oui, pour les bêtises de Jackie, pour cacher. Parce qu'il fait beaucoup des bêtises. C'est un délinquant. C'est vrai ou pas? Les délinquants juvéniles? Mais d'accord. Donc, pour... ouais, retirer celui-là. Maman, elle me dit, tu me jettes ce truc. Tu me le jettes, c'est plus possible. C'est vrai, il est tout défraîchi. Je pense qu'on va être pas mal hein, sur les couleurs. C'est un jeté. Voilà, on le jette. Regardez comme c'est joli. Ah, je suis contente. Très bien. Et finalement, là, mon projet avec le truc blanc pilou-pilou, j'ai pu faire une simulation avec un petit meuble que j'ai
et que je comptais utiliser et qui était également là-bas. Et au final, ça rendait pas bien. Donc j'ai dit non, c'est bien d'avoir pu faire la petite simulation parce que j'aurais été déçue. Enfin, je vous dis que je redécouvre le goût des pommes. Pour en revenir à ma dernière vidéo, quand je vous ai dit la crise, les spasmes violents que j'ai pu avoir, je pense, je ne suis pas médecin, avoir vraiment identifié la chose. Et puis par rapport également à tout ce que vous avez pu mettre sous les commentaires, je pense que j'ai abusé clairement des graines de chia. J'en prenais jamais avant et j'en prenais beaucoup trop. Et j'en prenais tous les jours et je me suis renseignée, enfin j'ai regardé aussi un peu sur internet, les graines de chia forcément, au contact de l'eau, donc même quand tu les ingères, elles gonflent, et donc ça gonfle. Donc pour la satiété c'est bien et tout ça, mais à un moment donné, eh ben, ça peut provoquer des violentes douleurs au ventre. Et voilà, j'ai arrêté, ça fait combien, 3 jours que j'ai arrêté, donc on va voir s'il y en a de mieux. Vraiment, si j'ai de nouveau la décrise, ce qui serait pas normal vu que je les ai arrêtés, je consulterai, évidemment. Parce que certains m'ont bien fait flipper. Hein. En me disant, ah oui, la vésicule biliaire, tout ça, ça fait charme. J'espère pas. C'est ce que ma maman a eu il y a 4 mois de ça, en plus de ses problèmes à l'oreille. C'est la vésicule. Et le cholédoc, elle a eu une première opération, donc il y avait un petit calcul qui était dans le cholédoc. Première opération sur Paris. Et la deuxième, donc c'est l'ablation forcément, ce qui est assez fréquent hein, de la vésicule. Mais non, j'aimerais autant que ce soit pas ça. Voilà. Regardez comme ses yeux matchent très bien avec ce plaid. Mais oui. Surprise. Eric n'avait pas de réunion. Enfin si, t'avais une réunion, mais tu t'es planté. Non, c'est pas de réunion. T'avais pas bien lu ton mail. Ouais. Parce que Eric, il faut savoir qu'il a une phobie administrative. Les mails, il les regarde pas des masses. Donc on est parti se promener. Ah, il y a des pêcheurs. Voilà, donc on se balade juste un petit peu parce que j'ai pas vraiment la tenue. Je suis un peu en boots. On prend juste un peu l'air. En fait, ma bonnette. Et j'ai regardé sur Amazon pour commander uniquement la bonnette. Tu trouves nulle part. Non, il faut aller sur le site du constructeur. Bah, j'ai pas trouvé non plus. Le site du constructeur. Regarde, c'est beau. C'est chez Sony, ouais. Une pièce détachée, Sony, support, je sais pas. Regarde-moi ça. Oh là là. Donc ça, normalement, enfin normalement, tu peux le faire en canoë. Et donc, on va se le faire, hein. je pense en juin ou juillet. C'est le début de fleuve. Hein. Ouais. Il s'agit du Loire. Oui. L-O-I-R. Pas l'heure. Non, tu te plantes à chaque fois. Bah, il est complètement effondré. Non, je crois que c'est... Ah si, ah bah, je peux te dire que si. Non, l'entourage s'est effondré, mais le jardin, je pense pas. Oh là là, ouais, parce que c'est très inondable. Hein. Mais moi ça me plairait quand même, tu vois. D'avoir un petit logement comme ça. Tu vois, le soir là, après le boulot, je viendrai, je mettrai ma chaise au bord de l'eau. Ah ouais. Et je serai au calme. Ils se foutent de toi, tu les entends? Ils t'invitent? Oh. Ça fait 2 fois que je manque de tomber aujourd'hui. Oh, regarde la dame comme elle est heureuse. Elle est chez elle, elle est au bord de l'eau. Ah, regarde. Je vois. Elle jette ses déchets verts comme si de rien n'était. C'est pas une dame, c'est un monsieur. Alors toi, t'es vachement à mettre les gens dans une case. Ceci est un homme, ceci est une femme. Laisse-la avoir le choix de ce qu'elle veut. Ouais, il y a toujours des salis de gauche, regardez. Ouais, ouais. Ouais. On a mangé McDonald's, on était par là, ouais. Ça me fout dans des colères. La bêtise, c'est insupportable. Ouais. Regarde. Toi, tu bêtises et médiocrité. Génial. Non. Du coup, j'ai installé le parasol sur le banc. C'est pas possible. Mais le mec, il devrait breveter ça. Alors, ça s'appellerait le paraban. Tu veux dire que t'es un paraban? On y va? Oui, j'arrive, deux. Et je t'attends. Oh, t'es monomaniaque, toi. Je t'attends. T'as bien ton chat. Bon, vous l'aurez compris, nous sommes le lendemain. Il est 14h34. Je vous ai pas repris avant parce que, bah, oh, surprise, je bossais ce matin. Et bah là, on va aller dépanner ma maman, mettre une petite ampoule qu'à sauter, bref, pour éviter qu'elle monte sur. Et qu'elle ne tombe. Vous voyez, comme Eric fait un peu 2m12, c'est sympa. Et donc, je l'attends. Ah, le voilà! Il est là! Bah, t'as encore ta robe de chambre? Et on a dit 2h30, il est 2h34. Hein. Aucun respect! Et c'est toi, alors, qui a dit 2h34? Bah, moi! D'accord. Tu l'as dit à qui? À toi. Non. Si, je t'ai dit on va chez maman à 2h30. Non, non, non. D'abord, tu t'es mis d'accord avec ta mère. J'ai pris ta chemise hawaïenne.
Parce que elle m'a dit qu'elle allait te la reprendre, comme elle coûte très bien. Tu te fous de ma gueule. Pourquoi? Arrête. Pourquoi? Non? Arrête. Arrête de jouer avec les... Ça sait pas. Elle est en train de me donner un cours de repassage. Ouais. C'est vrai que je repasse pas beaucoup. Et t'as même dit... Le beaucoup, je pense que le beaucoup est de trop. Quand des fringues, tu les mets sur... Bah, vaut mieux choisir ça maintenant. Hein. Bah oui. Non, beaucoup. Mais je sais faire. Hein. Tu sais qu'il est en train de te piquer toutes tes noix. Oui, bah ça fait rien. Mmh. Ça m'en fait moins à grignoter. On n'est pas bien, là. Bon, regardez Nicole. C'est cousu n'importe comment, les boutons. Je sais alors, que je fait. Toujours t'es pas. Vite, alors. Non, mais j'ai une excuse. Bah voyons. Non, mais il s'est mis à pleuvoir après. Oui, donc. Mais tu peux faire l'intérieur de... Quand il pleut, tu peux faire uniquement l'intérieur. Non, et puis tu reprendras après. Caro, elle a une théorie sur le nettoyage des vitres. C'est une température précise. Je m'en occupe cette semaine. D'accord. Petit passage à la pompe en rentrant, parce que demain je pars sur Chartres. Je vais emmener ma maman pour un check-up de son oreille. En rentrant là, parce qu'il doit être pas loin de 17h, avant que je n'oublie, vu que demain je vous dis je pars, je suis pas certaine d'avoir le temps et de monter le vlog et de continuer à vlogger. Parce que oui, demain, attends, on est bien mercredi, donc demain je publie ce vlog. Je me pèse, je suis fatiguée. Vraiment, il faut que je trouve une alternative. Parce que c'est bien les pommes, mais il faudrait que je trouve quelque chose qui soit un peu plus consistant, qui soit pas hyper sucré. À force, je vais y trouver. Je vais y trouver. Donc voilà, en rentrant, il y a la petite pesée. Je suis passée à boulangerie. Donc je t'ai pris, Eric. Une tradie, moi je me suis pris, il n'y avait plus mon pain, donc j'ai pris un truc aux céréales que j'ai fait trancher et je t'ai pris un goûter. A ton avis, je t'ai pris quoi? J'ai pris un lâche en d'amande. Ah ouais, je crois. Attends, c'est quoi? Ouais, c'est ça, je crois. Ça ressemble en tout cas. Quant à moi, je me fais mon petit goûter avec les pommes et tout et tout. Et après, je monte et je fais la petite pesée. Toujours très sympa les plans en contre-plongée. Je sais pas ce que fout mon manteau ici, je ne sais pas. Et donc hier on a filé au moment où je vous disais que j'allais me peser à Darty, on devait aller acheter un cadeau et j'en ai profité pour me racheter quelque chose qui va m'être hyper hyper utile et en plus c'est quelque chose que voilà, c'est trop mignon. Je vais me dévêtir, je me pèse dans ce vlog comme prévu, on va voir un petit peu si il y a une évolution. Oui, donc ce que je me suis pris à Darty, je vous montrerai plutôt dans le prochain vlog parce que là, ça risque de faire beaucoup. Donc ce qui va se passer, c'est que on va se retrouver là-haut, devant la pesée. Donc je récapitule. Il y a une semaine tout juste, je me pesais. J'étais à 57 kilos. 57,600. 57 kilos 600. C'est bien ça. On va voir. Au bout d'une semaine, pile poil, si il y a eu évolution. Franchement, même si je mange très correctement, d'ailleurs hier soir on s'est fait une pizza, je ne l'ai pas mangée en entier, mais j'ai une pizza quand même, il n'y a que le sucre que j'enlève. C'est dur, mais j'ai envie de voir si vraiment ça fonctionne bien. 9h46, c'est un peu ce que je zappe, je vais prendre ma pilule, au moins ce sera fait, et on se reprend tout de suite. Bon, bah vous l'avez vu. Attends, je vais me rhabiller. Ça nous fait quoi, ça? Ça nous fait 1 kg 800 de perdu en une semaine. Et bah, je suis très contente. Bah oui, c'est top. Ah, c'est hyper encourageant, vous voyez, comme quoi ça fonctionne. Et je voyais bien que je me sentais beaucoup plus légère dans mes fringues. Donc, ouais, non, c'est cool, dis donc, si c'est une semaine. 1,8 kg par semaine. Non, non, je m'emballe pas. Cet après-midi, comme je vous ai dit, je vais à Chartres, mais ça va... Je pense pas qu'on s'arrête dans beaucoup d'enseignes, ça va être vraiment, c'est quelque chose de médical, donc on va pas, quoique, peut-être qu'elle si elle est motivée, on verra. Je vais arrêter maintenant ce vlog, nous sommes donc mercredi, ce qui veut dire que prochaine vidéo, bah dimanche, vous avez vu, je suis contente, j'arrive à garder ce rythme. Ah non, je dis des bêtises, nous sommes mercredi, prochaine vidéo, vendredi, face cam, mais c'est pas un vlog, c'est... ça peut être un haul, ça peut être plein de choses. Merci d'être de plus en plus nombreux d'ailleurs à me suivre. Et je ne le dis jamais, jamais, jamais. Bon, je sais pas
si beaucoup de personnes seront restées jusqu'à la fin de cette vidéo, même si j'ai un très bon watch time. C'est vrai que les vidéos sont regardées quand même presque du début jusqu'à la fin, c'est cool. Ceux qui ne sont pas abonnés, donc c'est gratuit, cliquez sur s'abonner, moi ça me fait un petit peu plus quand même, ça évolue un petit peu plus vite. Je vous embrasse et je vous dis à vendredi. Bisous.